Bon, alors, donc, on va vous parler de la transformation du collège Truffaut, que la métropole, dont la métropole est propriétaire depuis la création, parce que ça devait être une propriété du département, vu que c'était un établissement d'enseignement. Ce n'était plus un collège depuis 2013 ou 2011, je crois. Et donc, la décision a été prise en 2018 de lancer une consultation pour reconvertir ce bâtiment de la métropole, imaginer des nouveaux usages et en faire un projet exemplaire sur le plan de la valorisation d'un bâtiment patrimonial évidemment majeur des pentes de la Croix-Rousse, avec un objectif de garder ce bâtiment à vocation de la jeunesse et évidemment une requalification, une transformation tout à fait ambitieuse sur le plan de la conservation du bâti existant. Sur le plan de l'économie circulaire, les choses sont venues plutôt en marchant. Donc, la consultation a été lancée, pardon, en 2016, pas 2018, c'est l'attribution qui a eu lieu en 2018. C'est un montage en bail emphytéotique à construction. Donc, la métropole garde la propriété du bâtiment et c'est le promoteur Link City associé à la SACVEL qui a été retenu en 2018 avec la signature du bail seulement fin 2020. Les travaux sont en cours et du coup, on va en parler. Alors, deuxième diapo, s'il vous plaît. Dans la consultation pour ce patrimoine remarquable qui date de la fin du 19e siècle, il y avait cet objectif, comme je vous le disais, d'une réhabilitation vraiment qualitative pour bien mettre en valeur ce bâtiment très important, quoi, remarquable du haut des pentes, avec un programme à imaginer par les candidats à destination de la jeunesse pour garder sa vocation, son lien avec la jeunesse, puisque historiquement, ça avait toujours été un bâtiment dédié à l'enseignement jusqu'à sa fermeture en 2013. Donc, du coup, le programme cible, c'était une auberge de jeunesse, un hostel jeunesse, hein, pas un hôtel classique, délibérément vraiment ciblé jeunesse, une résidence étudiante, et avec l'idée d'un bâtiment ouvert sur le quartier, enfin, accueillant pleinement le public, du coup, un enjeu important sur la cour animée, puisque vous le verrez, il y a un espace intérieur, enfin, un espace extérieur en cœur du tènement très important. Et puis, il y avait laissé libre à des éléments supplémentaires possibles de tiers-lieux, d'économie sociale et solidaire. L'enjeu de l'économie circulaire n'était pas clairement posé. On était beaucoup moins exigeants qu'on l'est devenu depuis. Mais il y avait quand même cette idée évidemment, d'utiliser au mieux le bâtiment en préservant ses qualités architecturales et patrimoniales. Du coup, le projet qui a été retenu, proposé par Link City avec la SACVEL, les architectes Bama et Archipat, architectes du patrimoine, Bouygues Bâtiment Constructeur, normal, lié à Link City. Désormais. Voilà, le programme retenu, c'était une résidence étudiante 100% sociale, voilà, des studios, des colocations aussi privées, cet hostel jeunesse de 200 lits avec un restaurant, des lieux pour accueillir Lyon BD Festival. Alors, ce n'était pas tout de suite calé au moment de l'attribution, mais depuis, c'est la ville de Lyon qui a choisi de flécher Festival Lyon BD. Des salles destinées aux activités associatives que gérera la mairie d'arrondissement, une crèche privée. Et en effet, l'offre de Link City était vraiment très ambitieuse sur le réemploi. Et compte tenu de l'ensemble du programme qui correspondait aux exigences et de ses propositions sur le réemploi, sur les trois candidats qui étaient finalistes de la consultation, enfin de la deuxième étape de consultation, c'est l'offre de Link City qui a été retenue. Cette question du réemploi ayant été effectivement importante dans le plus que constituait l'offre de Link City par rapport au programme qui était bien respecté.
Voilà, donc on a un projet de reconversion vraiment intéressant, de mixité fonctionnelle, sociale, ouvert sur le quartier, vous le verrez avec un très beau projet sur la cour, et une ambition sur le réemploi qui fait que c'est une requalification exemplaire. Et donc, nous allons voir maintenant le détail de cette approche du réemploi. Et puis, je précise aussi que de manière plus générale, dans le référentiel Habitat durable que nous délibérons la semaine prochaine en Conseil de la Métropole, où nous avons travaillé pour une adaptation du référentiel Habitat durable par rapport à la RE 2020, nous introduisons des critères sur le réemploi, des exigences sur le réemploi dans les opérations publiques d'aménagement, dans les pubs, dans les fonciers qu'on cédera. Donc maintenant, le réemploi, on est passé à une étape supérieure pour systématiser des critères de réemploi dans les opérations où on a la main, que ce soit en opération d'aménagement ou dans les fonciers que l'on met en consultation. Voilà, Joris, je vous cède la parole. Merci Béatrice. Donc oui, effectivement, c'était aussi pour nous un projet un peu pionnier. C'était notre premier projet ambitieux dans lequel on était autant impliqué dans le réemploi. C'était une expérience sur laquelle maintenant on capitalise beaucoup. Comme je vous le disais, Incity, on est filiale d'un groupe de construction. Donc, on avait cette capacité à avoir l'ingénierie nécessaire pour anticiper, parce que c'est beaucoup d'anticipation par rapport à un chantier classique. Et il y avait aussi un terreau fertile à Lyon, avec une association pour laquelle c'était l'un de ses premiers projets de cette ampleur, l'association Mineca, qui nous a accompagnés dans cette démarche. Donc, il y a eu d'abord plusieurs étapes, hein. Le premier, c'est que, personne, ça fait vraiment commence à marcher. Donc, on a fait des ateliers de sensibilisation pour les personnes du groupe Bouygues, de Linkcity, les compagnons et également l'ensemble des personnes, des sous-traitants qui sont intervenus sur le chantier pour vraiment expliquer la démarche. C'est quand même une petite révolution d'usage. Quand on arrive dans un vieux bâtiment, la première chose auquel on pense, c'est qu'est-ce qu'on va y faire? Et entre guillemets, le curage, c'est un mal nécessaire. Là, on est vraiment dans une autre démarche et le site s'y prêtait quand même particulièrement, puisque c'était déjà il y avait une démarche de réhabilitation, de réemploi des façades, de la qualité de l'existant, mais il y avait aussi à l'intérieur des éléments remarquables avec de l'époque de construction du bâtiment. Donc, on était vraiment dans un climat favorable. Voilà. Outre cet accompagnement, cette formation des gens qui sont intervenus, il y a eu toute une phase de diagnostic qui a été réalisée donc, par l'association Mineca et ça permet d'identifier 46 matériaux qui ont été sur lesquels on a pu trouver une deuxième vie, que ce soit dans différents usages. Le premier, le plus évident, c'était de les restaurer, de les conserver sur site, de les remettre à neuf et de les réintégrer dans le projet. Ça, c'est ce qui a le plus de vertu d'un point de vue empreinte carbone, empreinte matière. Le deuxième, c'est si on n'avait pas la possibilité de le réemployer, parce qu'on a quand même un changement de fonction, on est passé d'une école, d'un collège à de la résidence, à des tiers-lieux. Donc, il y a toute une série de matériel éducatif. Là, sur lequel on a trouvé des lieux de réemploi. Et après, il y a toute une partie du mobilier qu'on a pu réemployer pour réaliser le chantier, parce qu'on crée un espace de vie pour les 2 ans du chantier. Donc, il y a une partie du mobilier qu'on a pu réemployer. Donc, toute la base de vie du chantier a été créée à partir des matériaux présents sur site. Passer à la diapositive suivante. Merci. Alors, en quelques chiffres, on est sur un investissement d'à peu près 15 millions d'euros et sur une économie, alors une économie, je sais pas si, une économie circulaire de 15 tonnes. Et donc, c'est à la fois de la matière première qu'on n'a pas dû extraire, qu'on n'a pas dû réapprovisionner sur site, mais c'est aussi des déchets évités. Quand on fait un curage, traditionnellement, on prend les déchets, on les met à la benne. Après, ça a aussi demandé une mobilisation. On a quasiment eu 6 mois. Voilà, par rapport à un chantier classique, c'est 6 mois qui sont
entre guillemets, jamais prévu, mais sur lequel on a dû prendre le temps de faire le diagnostic, identifier les filières et assurer le suivi. Alors, en quelques exemples, hein, l'ensemble des parcs et bois qui était qui avait quasiment 150 ans, donc on l'a déposé et on l'a réemployé sur site. Il y en a certains qui ont été transformés en mobilier. On avait des éléments d'éducation, donc des PS de chimie. Elles ont toutes été réemployées, principalement pour des dons à des associations. Donc, celles-là, elles ne sont pas restées sur place, mais on a pu leur retrouver un usage. Les menuiseries, donc on était sur des menuiseries d'époque. Donc, c'est assez compliqué, parce que vous imaginez l'état des menuiseries 150 ans après. Donc, on a fait le maximum pour les conserver. On a pu en conserver 30%, mais ça avait un impact assez considérable, puisque tout ce qui est aluminium, voilà, en termes d'impact carbone, d'impact matière, c'est des éléments assez significatifs. Voilà, et également, à titre d'exemple, sur les associations, il y a pas mal d'équipements électriques qui ont été réemployés, des luminaires, voilà. Des prises, tout ce qui était réemployable dans l'état. Et ensuite, les éléments d'aménagement scolaire. On n'a pas pu retrouver une place dans le lieu. Alors, une petite histoire assez sympa, c'est que en fait, le réemploi, ça existe depuis longtemps. Il y a une association bien connue de tous les Français, créée par l'abbé Pierre, l'association Emmaüs, qui en fait un moyen de réinsertion. Ça s'est un peu vu sur le projet, parce que la plus belle réussite, c'est eux qui l'ont faite. C'est-à-dire qu'à partir des tables, à partir des éléments scolaires, ils ont créé, designé un mobilier spécifique. Donc, ils ont remis dans une filière très qualitative de mobilier, et tellement qualitatif que ça a été repris au Mobilier National, le meuble Henri, qui est dans la collection du Mobilier National. Donc, vous en avez à l'Élysée, voilà. Vous devez avoir un meuble Henri à l'Élysée. Et la petite anecdote du projet, même si en termes de quantité, ce n'est pas significatif, mais voilà, avec du réemploi, on sait faire des choses remarquables. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir de cette petite anecdote. Alors, c'était ma première expérience, hein, en réemploi, en tout cas à cette dimension. Je pense que notre structuration de Link City, c'était très favorable à ça. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui avaient la capacité et l'envie de faire ces études, en fait, de travailler sur ce sujet. On aurait pu abandonner si ça n'avait pas marché. On a réussi à le mener au bout. Il y a eu une deuxième vertu, c'est qu'on était quand même sur un lieu qui était très connu des Lyonnais. Il y avait pas mal de collégiens à l'époque, plus âgés maintenant, qui connaissaient le lieu. Et le fait de réinvestir le lieu en conservant un maximum des éléments de mobilier, du patrimoine, ça a permis de faire adhérer les riverains. Il y a eu des espèces de braderies, hein, sur les éléments qui étaient à l'intérieur du collège. Donc voilà, ça a permis de créer un projet participatif. Donc pour nous, un chantier en milieu urbain, c'est jamais simple. Et là, ça a permis d'en faire une petite expérience entre habitants. Voilà. Et là, c'est très personnel pour nous, mais aujourd'hui, celui-là, c'est un projet qui sert de référence au sein du groupe et donc sur lequel on essaie de capitaliser. On a notamment, à la suite de ça, on a gagné un projet à Rennes, où on rénove l'Hôtel Dieu, sur lequel on a réutilisé l'expérience réalisée sur le Collège Truffaut. Sur l'économie de projet d'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a réussi à le faire. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à trouver un sens. Il y a eu un investissement au début, mais c'était un pari qu'on a fait et le pari s'est révélé réussi. Et ensuite, ce qu'on en a tiré comme expérience, c'est qu'il y a des vrais gisements économiques. Hein, donc, on arrive à allier l'économie et l'environnement. Donc, ça, c'est des éléments qui sont très favorables à pouvoir reproduire l'expérience. Enfin, c'est des éléments très positifs. Et l'idéal, d'une manière simple, hein, c'est si on arrive à réemployer les matériaux sur site et qu'on arrive à faire des choses sur des quantités importantes. Je parle des planchers, il y a des vraies économies possibles. Il y a d'autres choses où on perd un peu d'argent.
Mais quand on arrive à avoir ces deux éléments-là, ben, il ne faut pas se priver parce que c'est gagnant pour tout le monde. Alors, ça n'a pas été facile. Peut-être quelques exemples de choses qui n'ont pas été faciles. Ben, on a une réglementation française qui est ce qu'elle est. Donc, ben, quand on fait un bâtiment recevant du public, on a toute une série de réglementations, coupe-feu, RP, etc. Donc, par exemple, les portes qu'on a voulu réemployer, on n'a pas pu parce qu'on aurait dû faire des tests à chaque porte. Et ben, en fait, ça avait un coût tellement prohibitif qu'on n'a pas pu garder les portes, qu'on a dû mettre des portes qui étaient issues d'un process industriel validé pour respecter un degré coupe-feu. Après, le deuxième frein ben, qui va se lever, je pense, petit à petit, hein, mais malgré tout, quand même, quand on explique qu'il y a quelqu'un qu'on lui vend un bâtiment neuf, et que dedans, il y a des matériaux qui sont recyclés, ben, on a certains acteurs qui considèrent que, quelque part, ils n'achètent pas au bon prix. Et donc, il faut réussir à passer ça. Et après, ben voilà, l'anticipation, c'est peut-être le maître mot. Mais si on n'anticipe pas, ben, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Voilà. Et l'une des difficultés qui va aussi peut-être se lever, hein, c'est l'identification de filières. Alors, on a la chance sur la métropole de Lyon d'avoir effectivement une métropole qui pousse, d'avoir des filières qui se constituent. Un dernier exemple, hein, par exemple, on est sur un site qui est entièrement minéral pour des questions de sol, d'imperméabilisation, on est sur des balmes. Donc voilà, il faut garder la stabilité du projet, mais on va essayer de le renaturer pour éviter les îlots de chaleur. Et donc, on va employer des terres qui sont issues d'une filière de dépollution de terres locales pour remettre sur site. Voilà. Et ça, on peut le faire parce que la filière existe localement. Bah, merci pour toutes ces précisions, cette présentation du projet. Je vous livre là les questions qu'il y a dans l'espace de discussion. Il y en a plusieurs de la même personne, donc du coup, je fais un groupé. Vous les voyez sûrement. Hein, pourquoi le bâtiment a été désaffecté en tant que collège, un peu en termes d'historique. Au départ, les raisons pour lesquelles Link City a proposé cette démarche de réemploi dans son offre, qu'est-ce qui vous a motivé? Et avez-vous réussi à intégrer dans ce projet des matériaux issus du réemploi d'autres lieux que le Collège Truffaut, des sources donc extérieures? Voilà. Alors, pourquoi Truffaut a été déclassé en tant que collège? Eh bien, il se trouve qu'il y avait un projet de réhabilitation du collège La Tourette, qui est aussi à la Croix-Rousse. Et du coup, tous les élèves du secteur pouvaient intégrer ce collège de La Tourette. Donc, voilà, c'était plus satisfaisant. D'autant que ce collège Truffaut, comme vous l'avez vu, il était mal adapté avec sa valeur patrimoniale n'était pas très adaptée à un établissement d'enseignement d'aujourd'hui. Donc, voilà, là, puisque finalement le collège de la Tourette suffisait, on n'avait plus besoin dans ce quartier-là de la métropole et de la ville du collège. Sur les éléments de réemploi, je vous laisse répondre. Oui, déjà, entre guillemets, c'était une démarche globale, hein, on était sur le réemploi d'un bâtiment. Donc, ça nous a apparu une bonne opportunité, d'autant qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur qu'on n'avait pas envie de mettre à la benne. Hein. Il y avait toute une série de… On ne les a pas forcément réemployés sur site, mais il y a toute une série de radiateurs en fonte, par exemple, qui étaient témoins de leur époque, qui étaient très jolis. Donc, voilà, tout ça nous a fait dire au lancement de l'appel à projet que c'était un très beau lieu pour tenter l'expérimentation. Et qu'il y avait beaucoup d'éléments favorables. Donc c'est pour ça qu'on a proposé ça. La chance d'être retenu et donc de pouvoir le mettre en œuvre. Ça a marché, donc félicitons-nous-en. Tout à fait. Et du coup, est-ce que vous avez pu intégrer d'autres éléments, d'autres lieux, en fait, dans le projet? Oui, alors ça va effectivement dans les deux sens. Et, bah, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, hein, sur les terres. On était sur un site qui n'avait pas de terre. On était sur un site qui était
totalement imperméabilisée, c'est une cour d'école. Hein, donc, voilà, et donc, la terre qu'on a fait revenir, on l'a pris d'une filière de réemploi, oui, tout à fait. Mm-hmm. Terre qui venait de la vallée de la chimie, donc, qui était polluée initialement, qui a été refertilisée et qu'on a pu réemployer sur place. D'accord, ok. Et du coup, vous avez parlé à un moment donné donc, des économies faites par le réemploi, le coût du réemploi. Est-ce que vous avez une estimation voilà, par rapport au budget de cette partie réemploi? Est-ce qu'au final, c'est un coût supplémentaire? Est-ce qu'il y a quand même des économies de faites? Est-ce que vous avez déjà cette approche globale au niveau? Alors, sur l'approche globale, moi, je peux vous parler d'un point de vue global sur l'opération. On a réussi à tenir les objectifs qu'on s'était donnés. Donc, il y a des éléments sur lesquels on a effectivement perdu de l'argent. Enfin, au début, quand on prend du temps, ben ça nous coûte. Mm. Il y a des éléments sur lesquels on a gagné de l'argent. Donc, au global, c'était notre objectif, hein, de réussir à tenir nos engagements initiaux. Et on a réussi à le faire, donc avec, je dirais, une neutralité budgétaire. Ça, c'est vraiment important parce que c'est quand même un sujet qu'on nous oppose souvent, bien que ce soit contre-intuitif. On nous dit souvent que le réemploi, c'est plus coûteux parce qu'effectivement, la dépose, le stockage avant de le réutiliser. Donc, c'est bien que vous nous disiez que vous avez pu le faire dans un équilibre global, quoi. C'est donc possible. Tout à fait. C'est souhaitable. Et évidemment souhaitable. Imminemment souhaitable. Très bien. Donc, une question sur la performance énergétique du bâtiment. C'est une très, très bonne question sur laquelle je n'ai pas la réponse exacte, mais on est effectivement on a un bâtiment qui est labellisé, donc on a un bâtiment qui est très performant énergétiquement. Maintenant, comme ça a été déposé en 2018, on ne devait pas être BBC, enfin, ça devait peut-être être BBC à l'époque, maintenant, ça serait BBCA, d'autant qu'on a un bâtiment réhabilité. Mais je pourrais vous donner des précisions exactement, mais c'était l'un des enjeux aussi de faire d'une réhabilitation un bâtiment énergétiquement efficient. Mmh. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou en direct? On aurait encore quelques minutes à y consacrer. A priori, non. Ouverture, on l'a dit, bientôt, hein, début 2023. Ouais, presque. Oui, c'était fin des travaux, fin 2022. Donc, voilà. Mais, moi, j'ai hâte de voir, j'habite pas loin, donc j'ai hâte de voir. Ravi, il y aura en plus dans la programmation, donc on vous l'a dit, un hostel. Donc, au pied de l'hostel, il y aura un restaurant. Donc, la cour d'école sera ouverte à tous. Donc, voilà, on pourra tous rajeunir un petit peu en retournant au collège. Il faut remontrer peut-être la diapo 3 où il y a la cour. Là. C'est vrai que là, le visuel est assez sympa. C'est un peu... Alors, la diapo 3. Toc, toc. Voilà, celle-ci. Voilà. Ça, c'est le projet. La cour un peu renaturée par rapport à l'existant qui, effectivement, était complètement imperméabilisé. Très bien. Une autre question, du coup, qui arrive. Avez-vous utilisé des matériaux biosourcés? Tout à fait. Tout à fait. Dans ce qui est isolant, c'est des isolants biosourcés, notamment. On a des châssis bois également. Donc, oui, c'était un élément du programme également. D'accord. Eh bien, parfait. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible. C'était un vrai plaisir d'avoir des nouvelles de ce projet, en tout cas, dont on a entendu parler, en tout cas pour les Lyonnais.